exceptionnel. La deuxième gymniste qui est présentée, c'est Rouennaise. Elle est née le 15 mai 2020. Elle fait 4,40 kg. On part de loin en région américaine, puisqu'il restait entre 30 et 40 animaux dans les années 80-90. Mais maintenant, l'effectif est en croissance constante, avec plus de 600 vaches aujourd'hui dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Donc on remercie aujourd'hui l'élevage de Maurice avec Emma, Maxime, Eric et Juliette, plusieurs générations qui sont présentes. Et je vais donner la parole à Eric Le Bourris, éleveur en vache américaine, qui va vous parler de sa race et de son élevage. Bonjour à tous. Donc ben voilà, vous avez devant vous la race armoricaine qui peuplait la campagne bretonne dans les années début 1900 jusqu'à 1960. Une race qui a été abandonnée parce qu'elle faisait à une époque trop de gras. Et aujourd'hui, finalement, c'est la race à la mode. On va chercher le gras sur des races étrangères alors qu'on a chez nous cette chance d'avoir une race qui fait du gras avec de l'herbe qu'on peut produire naturellement sur notre île bretonne. Une race en plus qui est très facile à élever, très docile, qui a été faite par la main de nos ancêtres qui ont su faire une super bête. Aujourd'hui, elle est vraiment relancée. On a, je pense, pour la fin de l'année, on aura entre 800 et 900 mères. On demande encore des nouveaux éleveurs pour la développer. On a la chance d'avoir quelques passionnés qui la relancent vraiment, qui utilisent ce qu'il a sauvé. C'est étourneau d'assimilation qui a été découvert par hasard dans un centre d'assimilation à Loudéac. On a cette chance-là de pouvoir utiliser les taureaux des années 60. Quelques passionnés donc utilisent ces doses-là et on constate vraiment qu'il y avait quelque chose de super qui avait été fait par les anciens. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la voir sur le stand, allez voir vos éleveurs pour acheter et goûter la qualité de la viande extraordinaire. Voilà pour vous dire de plus. Je crois qu'on peut applaudir l'élevage de Bourris, applaudir les éleveurs de race américaine et tous les éleveurs de race locale qui font tous les jours un travail fantastique pour préserver la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi dans les élevages, c'est les animaux, les hommes et les femmes qui font vivre ces races locales. Merci beaucoup, merci à la famille Le Bourris. Maintenant, on va passer à la race Renaud du Lion. La vache Fromont du Lion, c'est une vache issue du rameau celtique. Historiquement, elle est appréciée pour son vert jaune et orange de très haute qualité et sa crème à la texture incomparable. Il ne restait là encore qu'une quarantaine de vaches à la fin des années 60. Et maintenant, les effectifs sont en constante augmentation avec plus de 344 femelles chez 98 éleveurs en 2015. Comme vous le voyez, c'est une vache très docile avec une robe de couleur froment, avec ou sans tache, le décor en forme de lyre relevé. La vache en présentation aujourd'hui, c'est Oise. C'est une vache de 5 ans en deuxième lactation. Elle a produit 2800 kg en première lactation avec un TB à 59 et un TP à 37. Elle a également servi de support à la transplantation embryonnaire. Elle est aujourd'hui présentée par des élèves de première année du BTS Production Animale du lycée du Carignan, un partenaire sans faille de l'association des éleveurs du syndicat des éleveurs Fromont du Lion. Donc c'est Christelle et Stéphane qui nous présentent pour Oas. Je crois qu'on peut les applaudir, on peut applaudir ces jeunes qui font le choix de travailler dans les métiers d'élevage, d'étudier et puis qui participent, qui s'intéressent vraiment beaucoup à la préservation des races locales. On peut encore les applaudir très fort. Bravo à eux.
les photos également. On va faire revenir les trois vaches sur le ring pour une photo d'ensemble. Vous dire aussi que la Fédération des races de Bretagne, c'est donc l'association qui fédère les 11 associations qui représentent les 12 races volailles, bovins, caprins, bovins, porcins de Bretagne. C'est une association qui permet aux éleveurs de se rencontrer, d'échanger, de mener des projets, comme on l'a fait sur la qualité des viandes et du lait en race locale. Et aujourd'hui, c'est grâce à la mobilisation des associations membres qu'on peut faire cette présentation. J'ai oublié de le dire, mais OAS a été présente au Trophée international des lycées agricoles à Paris cette année. Et donc elle représente la qualité de l'enseignement agricole et des élevages en race locale également au plus haut niveau. Le mouton moisson,